Dans la dernière vidéo, j'ai placé des caméras dans Minecraft et dans mon appartement, des caméras qui filmaient en direct. Et j'ai prouvé que lorsque Giwiggy de Poppy Playtime apparaissait dans Minecraft, il apparaissait aussi dans la vraie vie dans mon appartement. Et aujourd'hui les abonnés, on va aller encore plus loin. Si lorsque Giwiggy de Poppy Playtime apparaît dans Minecraft, il apparaît aussi dans la vraie vie, pourquoi cela serait-il possible uniquement pour lui? Je pense que cela est possible pour n'importe quel type de monstre. Et c'est ce que nous allons essayer aujourd'hui avec la poupée de Squid Game. Aujourd'hui ce n'est pas un monstre mais deux monstres que nous allons tenter de faire apparaître. Je vous montre tout de suite l'installation. Nous aurons évidemment une première caméra située devant ma porte d'entrée. Alors évidemment, je vais l'ouvrir. Voilà, let's go. On enlève tous les verrous. Let's go. Voilà. J'allume la lumière pour vous montrer ce que ça donne avec de la lumière. Voilà du coup ce que ça donne. Et là du coup je vais devoir bien positionner l'appareil photo. Voilà, ici c'est parfait. Il s'agit évidemment de la caméra numéro 1. J'ai augmenté la taille du trépied pour avoir une meilleure vision. Et j'ai lancé l'enregistrement en direct. La caméra 2, elle sera située vers mon couloir. Voici le couloir en question. C'est un couloir avec énormément de portes, notamment des portes de placard fermées à clé. Voilà, regardez, voilà, il y a des placards ici. Une porte à droite qui mène vers mon setup. Si on l'ouvre, on arrive directement sur mon setup. Voilà, let's go, on est à mon setup. Et au fond du couloir, nous avons trois portes vers trois pièces différentes. Ici, les toilettes. Ici, la salle de bain. Et enfin ici, ma chambre. C'est avec cette porte la dernière fois qu'on a eu le plus de choses paranormales. Du coup, je viens de lancer cette caméra 2 en direct. Et voici un petit peu ce qu'elle filme. Voilà, on voit les trois portes au fond, les portes de placard. La seule porte qu'on voit pas, c'est celle de mon setup. Bref, je vous montre sur Minecraft ce que ça donne. Bon, du coup les abonnés, je vais vous montrer ce que ça donne in-game. Alors j'ai placé des caméras un petit peu partout sur ma villa et aussi à l'intérieur. What, c'est quoi ça? Bref, vous montrer la vidéo pour voir ce que c'était. Du coup voilà, j'ai des caméras absolument partout à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Et toutes ces caméras sont reliées à cette tablette. Mais aussi du coup, les caméras de mon appartement. Et quand je parle de mon appartement, c'est évidemment dans la vraie vie. Du coup, regardez si on ouvre la tablette avec les caméras qui sont reliées. Et bien sur la caméra 1, nous avons les escaliers devant mon appartement. Voilà, nous sommes actuellement en train de les regarder. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. Effectivement, pour l'instant, voilà, on n'a pas invoqué Huggy ou la poupée de Squid Game. Nous avons du coup aussi la caméra numéro 2. Voilà, nous sommes sur la caméra numéro 2. La caméra 2 qui est située actuellement dans mon couloir. Voilà, on le voit en direct. Et ensuite, le restant des caméras, et bien ce sont des caméras, voilà, à l'extérieur de ma villa sur Minecraft. Il y en a un petit peu partout, hein. Regardez, il y en a vraiment, vraiment partout. Alors là, on peut pas trop tourner. Ok, on peut juste regarder comme ça de haut en bas. Il y en a aussi à l'intérieur de ma villa, évidemment. Regardez, là, on peut voir simplement que Tom est en train de se faire mettre dans des toiles d'araignée. Je suis mort. J'en ai vraiment partout, hein. J'ai 26 caméras. Regardez, il y en a vraiment partout, partout. Il y en a dans le cinéma. Il y en a dans l'escalier pour accéder au deuxième étage. Il y en a dans la chambre de Jérôme. Il y en a une, regardez, ici. Et je suis en train de voir Caris en direct. Je suis mort. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je suis mort. Enfin bref, comme vous avez pu le voir, il y a des caméras absolument partout. D'ailleurs, il y en a même mis dans le grenier. Regardez, ça, c'est la caméra du grenier. Voilà, c'est la caméra numéro 26. Du coup, bref, toutes ces caméras, elles vont servir à anticiper l'arrivée de Huggy et de la poupée de Squid Game dans la vraie vie. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsque les monstres arrivent dans Minecraft, eh bien, c'est peu de temps après qu'ils arrivent dans la vraie vie. Du coup, si, imaginons, je vois Huggy sur les caméras de la villa Minecraft, eh bien, normalement, je ne tarderai pas à la voir dans la vraie vie aussi. Ou alors, voir un phénomène paranormal. Tiens, d'ailleurs, il commence à faire nuit. Le voir. C'est un petit peu hardcore. De quoi, comment ça fait que je peux le voir? Comment ça fait que je peux le voir ici et dans la vraie vie aussi? Bah justement parce que j'ai des caméras en fait. Tout est relié à la tablette. Du coup en gros, lorsque je vois par exemple, je sais pas, Huggy de Poppy Playtime s'introduire dans la maison, il va y avoir peut-être un bruit dans la vie réelle, et bien de mon côté. Et à ce moment là je sais que souvent ça se suit en fait. Genre dès qu'il se passe quelque chose sur Minecraft, et bien rapidement dans la vie réelle il se passe quelque chose d'autre. Du coup les abonnés, pour simplement réveiller la poupée de Squid Game et pour pouvoir l'amener. T'allais dire quoi? J'allais dire, tu l'as acheté où ta tablette là? C'est quoi cette chinoiserie là? Je connais même pas la marque. Eh ben je sais pas trop où est-ce que je l'ai acheté, mais en tout cas elle fonctionne très bien. Les abonnés ont pu voir ça dans le dernier épisode, franchement ça marchait extrêmement bien. Du coup voilà. Bref, les abonnés, d'ailleurs, tout simplement on va faire un petit message à tous les non-abonnés. On vient actuellement de passer les 900 000 abonnés, un grand merci à vous tous. Et là regardez, il y a un petit message sur le mur de ma villa qui invite tous les non-abonnés à vous abonner dès maintenant, activer la cloche de notification pour ne rien louper des projets
prochaines vidéos qui vont arriver. Je vous conseille vraiment simplement de vous abonner pour les prochaines vidéos pour ne rien louper, puisque vraiment on va monter crescendo petit à petit, on va monter vers de plus en plus d'horreur. Et notamment je pense qu'il va se passer de plus en plus de choses d'horreur dans mon appartement. Du coup je vous conseille vraiment de vous abonner pour ne rien louper, et aussi mettre un gros pouce bleu évidemment. Bref, du coup, pour aller réveiller la poupée de Squid Game, tout simplement. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a, Koba et Léo, dites-moi. Avec avant tous ces monstres, t'as pas peur que tu vas mourir un jour, parce qu'il y en a bien un qui va finir par t'avoir, non? Bah je sais pas, mais bref, en tout cas là pour l'instant je kiffe, mais en même temps je flippe, mais tu vois, mais je kiffe faire ce que je fais actuellement. Du coup voilà. Est-ce que quelqu'un, Caris, est-ce que t'as une petite torche s'il te plaît pour moi? Non. T'as pas de torche? Waouh, mais ils sont mon ref par contre, j'ai rigolé, regarde-toi. Ah, ils sont au chômage technique, les les mecs dans rigolé, je... Ah ok, c'est bon, ok, j'ai une torche. Mon ref par contre, j'ai une question. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Genre c'est la maison de Shelbyville, ta baraque, ou c'est comment, genre il y a vraiment tout? J'ai pas la référence, c'est quoi là, Shelbyville? C'est une maison hantée en Amérique, je crois. Ah bah mec, clairement là actuellement mon appartement il est complètement hanté, hein, je te dis, il se passe des trucs de dinguerie, hein. Bref, du coup continuez, on va aller du coup... J'ai des trucs à te dire. Ouais, vas-y, dis-moi Léo, et après on va aller réveiller simplement la poupée de Squid Game. Je vais vous montrer comment on va faire les abonnés pour qu'elle simplement elle vienne ici nous déranger dans cette maison, dans cette villa, et qu'elle vienne aussi dans la vraie vie, dans mon appartement. Vas-y Léo, exprime-toi. Alors j'ai deux trucs à dire. Vas-y. Déjà, il y a Thiago qui m'a tapé, c'est pour ça que je suis de nouveau en sang. Et en plus, j'avais ça à te donner. C'est quoi? Oh là, attention, on attend le message plein de fautes de Léo. Oh là là. Ok, attendez. D'ailleurs, regardez pour cette vidéo, les abonnés. Il y a Tom. Voilà, Tom, vous étiez beaucoup à le demander. Ouais. Vous étiez là. Où est-ce qu'il est passé, Tom? Comment ça va, Tom, d'ailleurs, aujourd'hui? Ça va, toi? Bah, ça va très très bien. Écoute, ensuite, voilà, on a Léo, on a Thiago, on a Caris, on a le lieutenant Christian, et on a tout simplement Jérôme. Du coup, let's go. Débuchez d'écrire ton message. Et ensuite, on va aller réveiller la poupée de Squid Game. Déjà, on peut checker un petit peu ce qui se passe tout simplement dans ma cage d'escalier. Qu'est-ce qui se passe dans ma cage d'escalier actuellement? Pas grand chose les abonnés, pour l'instant il y a vraiment rien. Ok, juste la lumière qui s'éteint et qui se rallume. Tout ça pour ça. Ça c'est des trucs qui se passent assez régulièrement. Wow. Oh, nous avons plus, c'est pas une faute, mais en plus Ok, du coup là on est dans le couloir, rien à signaler dans le couloir pour l'instant. Ok, c'est bon, alors qu'est-ce qu'il y a comme message? Je trouve que Diabolo est moche personnellement. What the fuck, en plus avec tellement de fautes. Bon, c'était juste pour ça, ok. Let's go. Eh, tout le monde se tait là, et on va réveiller la poupée de Squid Game. Du coup, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va la réveiller. À la rattrapage scolaire. Voilà, let's go, on va aller réveiller la poupée de Squid Game. Donc c'est parti. C'est parti, on passe devant le Toy Store. C'est là où on a acheté la poupée de Huggy Wuggy. D'ailleurs, la poupée de Huggy Wuggy de Pop Playtime, c'est le lieutenant Christian qui en est responsable aujourd'hui, hein, c'est toi qui l'as aujourd'hui, lieutenant Christian. Ouais, c'est moi, Vas-y, montre-la nous. Hop, attention. Voilà, il l'a. Donc en gros, tout à l'heure, quand on aura simplement cherché un petit peu la poupée de Squid Game, il la posera aussi dans la maison pour faire apparaître Huggy Wuggy dans la vraie vie. Du coup, let's go. On va aller simplement rejoindre la simplement la poupée de Squid Game dans simplement voilà, dans un parcours. Regardez, en fait ici, il y en a qui se souviennent, hein, ici ce qui s'était passé, notamment Carrie, je pense que tu t'en souviens. Non, je m'en fous, j'ai tout oublié. Et qu'est-ce qu'il a Carrie aujourd'hui, wesh? Je suis pas content là. T'as dit quoi? J'avais un rendez-vous, je voulais pas être ici. Ah, oh là, t'es vénère, mais pourquoi Parce que monsieur a besoin d'être protégé au cas où s'il y a Huggy Wuggy, du coup il me fait venir et moi je loupe le rendez-vous. T'avais quoi comme rendez-vous? Avec Cardi, il y a quelqu'un qui s'appelle Cardi. Oh, ok, bah écoute, si je te rarrangerai un date, je sais pas, genre plus tard. Bon, du coup, les, les abonnés. Par contre, les abonnés, regardez, on n'a plus accès aux caméras. On est trop loin de la villa. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme? Qu'est-ce que tu veux dire à Caris? Non, je vais poser une question à Caris. Vas-y. Dis-moi, FBI, la calage Cardi, mon ref. Elle a son âge, t'inquiète pas, je crois. Je crois que ça va. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais demandé. Bon, du coup, les abonnés, on va devoir traverser ici. Fais attention, Léo. Fais attention. Mais c'est une game à pousser. Let's go. Il faut faire le parcours simplement. Voilà, il faut éviter de tous mourir, hein. Oh là 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 là. Faites attention quand vous faites le parcours. Diabolo, moi aussi j'aimerais bien être en couple. Je peux me marier avec Juliette. Oui, bon, on verra ça plus tard. Du coup, là, du coup, alors je regarde, j'ai toujours pas accès aux caméras. Du coup, regardez la poupée de Squid Game, on va pas tarder à la voir. En gros, regardez, on la voit, c'est bon. On voit la poupée de Squid Game, les abonnés. Du coup, le but aujourd'hui, ça va être de chercher la poupée de Squid Game. C'est-à-dire, je pense que voilà, on va tenter, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait tenter en fait pour énerver la poupée de Squid Game. On l'a détruit au pire, hein. Je pense que ça va revenir, hein. En vrai de vrai, on l'a détruit, je pense que ça va revenir, hein. Du coup, let's go, on fait le parcours, on laisse pas tomber dans la lave. Non, les gars, mettez de l'eau, s'il te plaît. Tu me donnes l'argent, tu l'as mis. Eh, c'est bon, tu l'as posé, ok. Mais comment c'est bon, tu l'as posé.
désolé. C'est qui qui a posé l'eau? C'est moi, c'est Léo. Allez, mettez du... Vas-y, on va remettre. Oh, oh non, mais premier saut, je meurs. Mais vraiment, je suis vraiment un bon niveau. Pierre, on s'en fout, on passe avec Delon. Ah bah ça, c'est confirmé. Hein. Let's go. Ok, let's go. Non, mais t'es sérieux? Oh, l'autre, il prend comme ça. Allez, c'est bon. Je suis mort. Du coup, ensuite, voilà, on a juste à sauter. Oh, bébé. Oh là, je suis un giga, attendez. Arrête, les doigts d'araignée, ça fait 4. Ah mince, mais c'est pas possible. Vous faites qu'un avec la toile d'araignée. Ouais, comment? T'es trop moche. Non mais ouais, enlève-moi ça. Du coup, let's go, on passe par là. Et nous sommes du coup à la poupée de Squid Game. Et là, ce que nous allons faire, les abonnés, c'est qu'on va littéralement détruire cette poupée. Donc ce que je te propose, Caris, pour détruire cette poupée, c'est que nous on s'éloigne. Ouais, tu vas poser un peu de tête. Pas trop. Eh, pas trop. Non. Waouh, on va s'éloigner. Apaisez-moi, il y a un touriste. Il va simplement péter, voilà, la poupée de Squid Game. Attention, attention. Pas trop. Tu l'as allumé là? Il va péter. Ça y est. Ok, c'est effondré sur elle. Ok, elle non, c'est bon, on fait demi-tour. Elle est pétée, les abonnés. Du coup, on va faire demi-tour et on va retourner à la villa, voilà. Bon, bah là, il l'a enfoui carrément, il a fait écouler le sable sur lui. Du coup, là, on se retrouve rapidement à la villa. Ok, alors, attention, waouh, attention, place des blocs parce que je pense que sinon on va galérer. Attends, je vais quand même tenter le. Ok, parfait. Du coup, les abonnés, on va retourner à la villa et on va se dépêcher de regarder un petit peu les caméras simplement de la villa pour voir si se passe des choses. Bon, vous avez fini de me proc là tous. on va regarder du coup les caméras de la villa. Let's go, on va pas tarder. Mais Diabolo, t'as la calvasse. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai zéro calvasse, ouais. Les frères, c'est bon. Du coup, regardez, il commence. Il y a pas une calvasse, il a 3 cheveux sur la tête, c'est pas une chose. Du coup, il commence à refaire jour du coup. Bah, ça veut dire qu'il va se passer les choses de jour, les abonnés. Alors que chez moi, il fait nuit, c'est un petit peu bizarre. À moins que le soleil va se coucher, c'était juste un bug temporel. Bon, bah, apparemment, les abonnés, c'était plutôt le soleil qui se couche. Et là, est-ce qu'on a de nouveau accès? On commence à avoir accès à des caméras, mais il y en a encore pas mal qu'on n'a pas accès. Ok, on se rapproche. Ok, il y en a qui ont été déconnectés. Je pense qu'il faut encore se rapprocher un petit peu plus. Donc voilà, let's go. Ok, c'est bon, on a accès à toutes les caméras. On va pouvoir consulter tout simplement celle de l'escalier. Ok, je suis devant mon appartement, dans la cage d'escalier. Toujours rien à signaler pour l'instant, les abonnés. Les abonnés, on va switch sur le couloir pour voir ce qui est en train de se passer actuellement dans le couloir. Ok, rien à signaler. Les abonnés, pour l'instant, dans le couloir, c'est relativement calme. Oh, la porte, elle vient de s'ouvrir. Les abonnés, la porte vient de s'ouvrir dans le couloir. Ok, j'arrive dans un instant, les abonnés. Oh, c'était violent. Attendez, j'arrive. N'oubliez toujours pas le petit abonnement direction le million. Ok, les gars, je commence à filmer. On va aller voir ce qui s'est passé. Il y a forcément quelqu'un dans les toilettes. C'est pas possible. Ok, les abonnés, let's go. Ok, personne. Ok. Très étrange, les abonnés. Il y a absolument personne. Je vais fermer cette porte. C'est très très étrange ce qui vient de se passer, les abonnés. Je suis déjà en flip total, je vais retourner devant le PC. Les abonnés, premier fait paranormal dans mon appartement. Je suis déjà un petit peu plus stressé que tout à l'heure. Ok, on a le premier fait paranormal qui vient d'apparaître. C'est un petit peu flippant. Let's go, ok. Bon, on va du coup rentrer à la maison. Et du coup, lieutenant Christian, tu as posé tout simplement la poupée de Guy Wuggy bien en haut des escaliers. Juste ici, là, voilà. Alors, j'avais une petite question. Qu'est-ce qu'il y a Juliette, elle est belle ou pas? Bah oui, bah tu la verras. À partir du 26 novembre, Juliette, elle va être là quasiment à chaque fois. Du coup, les abonnés, je vous préviens, elle sera beaucoup plus souvent là. Du coup, voilà. Bref, du coup, la poupée de... Attends, pose... Ouais, c'est bon, ici, ça va être pas mal. Ok, la poupée de Guy Wuggy est posée, les abonnés. Ça veut dire que là, nous avons... Provoquer, non, c'est pas bon, la poupée de Squid Game et la poupée de Huggy Wuggy. Potentiellement, les deux peuvent nous attaquer actuellement maintenant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout le monde va venir dans ma chambre. Ok, tout le monde va venir dans ma chambre. Diabolo, on va laisser simplement. Qu'est-ce que la poupée elle apparaît? J'ai pas vu, parce que moi à chaque fois j'étais pas là. Bah tout simplement si la poupée apparaît voilà ça bah en gros je sais pas trop en vrai ce qui peut se passer. Mais la dernière fois qu'elle est venue ici c'était très violent. Du coup voilà, là on a les deux possiblement qui peuvent venir. Vraiment je commence à être un petit peu en stress, surtout avec le fait paranormal qui vient de se passer dans mon couloir. Les abonnés, faut pas l'oublier ça. J'aime trop jouer mais ça se trouve un jour ça va me porter préjudice, ça va me porter malheur ou il va se passer vraiment une dinguerie, je sais pas. En tout cas bref, les abonnés, let's go. On va tout simplement continuer de regarder les caméras, mais cette fois-ci un petit peu plus la villa. Ok, je switch sur la caméra 3. What? Mais pourquoi c'est le clip de Caris? Mais what the fuck? C'est peut-être de ma faute. C'était pour leur rappeler de... Bah, aller voir
dans les clips. Mais ouais, attends, attends, c'est un superbe clip. Attends, je comprends là, wesh. Clarisse, mais what? Mais comment t'as réussi à pirater le système? Bah, ça se hack facilement ton truc, hein, c'est pas compliqué. Mais je suis mort. Les abonnés, tout simplement, voilà, Clarisse, il a sorti une musique il y a pas si longtemps que ça. Je vous invite à aller la voir après cette vidéo, évidemment. Mais voilà, c'était un petit extrait de sa musique. Il a réussi à hacker pour faire la promo de son clip. Je suis mort. Bon, du coup, les abonnés, on va continuer, voilà, avec les caméras. On va regarder un petit peu. Je vais re-switcher du coup sur la numéro 3, les abonnés. Juste avant, Clarisse, t'as désactivé ton hack là, c'est bon. Je peux mettre les caméras tranquille. Oui, là, vas-y. Vas-y, vas-y, ça marche. Let's go. Ok, on va passer sur la caméra 3, les abonnés. Let's go. Ok. Ok, ok. Pour l'instant, rien à signaler. Je regarde un petit peu les abonnés. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. On tourne un petit peu à droite. Jérôme, l'autre fois, je t'ai volé du pistolet. Ok, je vais peut-être switcher de caméra. Les abonnés. Oh, oh, les abonnés, les abonnés, les abonnés. Il se passe quelque chose. Huggy Wuggy, Poppy Playtime arrive. Ok, il arrive devant la maison. Ok, c'est exactement la même scène que la dernière fois. Ok, on le suit, on le suit, on le suit, on le suit. Ok, ok, il va pas tarder à rentrer dans la maison. Ok, il va rentrer dans la maison. Je vais switcher sur la caméra. Les abonnés, je viens de switch sur la caméra intérieure. L'heure vient de changer. What? Ouais, il y a des bizarres, il y a des temporalités bizarres dans cette vidéo. Il y a vraiment des faits paranormaux qui se passent actuellement. Du coup, pas de trace de Huggy Wuggy. Attendez, ok, les abonnés, enfin, même tout le monde là, descendez, descendez. Il y a Huggy Wuggy qui est rentré dans la villa. Juste... Ouais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Ouais, attends, pose-la moi. Les mots de passe, pose-la moi pendant qu'on descend. Vas-y, dis-moi, 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 qu'est-ce qu'il y a. Ouais, ouais, je viens de checker les mots de passe de la caméra, etc. Tu m'expliques pourquoi est-ce que ton mot de passe c'est littéralement ça? J'ai pas d'idée. Oui, bon, ouais, voilà, c'est mon mot de passe, mais il fallait pas le dire. Bon, du coup, heureusement, il était dans la poussière un peu, Jérôme. Là, il y a Huggy Wuggy qui a disparu, par contre, vraiment. Huggy Wuggy vient de disparaître, les abonnés, elle est plus là. Et autre chose inquiétant, Huggy Wuggy n'est plus là non plus. Oh là 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 là, les abonnés, attendez, je vais checker vite fait la caméra de mon couloir. Ok, les abonnés. Ok. Oh, le placard, ça vient de s'ouvrir, les abonnés. Ok, j'y vais, je me dépêche d'y aller les abonnés. Je veux choper absolument quelque chose sur le coup. Attendez, j'arrive. Les abonnés, c'est pas possible, c'est juste en face. Ok. Je vais ouvrir le placard en grand. Ok, y'a rien. Ok, les abonnés, y'a absolument rien dans ce placard. Là, je suis vraiment très inquiet. Vous avez vu à la puissance avec laquelle cette porte de placard s'est ouverte, qui était pourtant fermée à clé. J'en suis persuadé, on va refermer à clé. Les abonnés, là vraiment, je suis très inquiet de la situation. On va laisser ça fermer, je vais retourner devant le PC. Les abonnés, encore une fois, très étrange. J'étais persuadé d'avoir fermé ce placard à clé, mais il s'ouvre une nouvelle fois. Vraiment, c'est très inquiétant. C'est pas parti. Vraiment, je suis un petit peu en stress. On va retourner dans la chambre pour remater les caméras. Peut-être que Huggy Wuggy va refaire une nouvelle apparition. Mais je sais qui c'est, Diablo, qui ouvre les portes. Quoi? C'est qui? C'est Passepartout. Bon, il a toutes les clés. Jérôme, toujours là pour la bonne ambiance. Allez, y'a pas l'air de tirer un truc hors sujet. Ouais, qu'est-ce que... Non, bah non, du coup. Ouais, c'est dans le sujet de la vidéo. Du coup, les abonnés, on est toujours sur les caméras. On va essayer de regarder un petit peu les caméras de la maison. Let's go, caméra 7. Rien à signaler. 8. Caméra 8. Wow, 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 il y avait Huggy Wuggy juste devant. Attendez, j'y retourne. Il est plus là, il est plus là. Oh, j'ai paniqué, j'ai enlevé la caméra. Attendez, je sais où est-ce que c'était. Ok, les abonnés, les abonnés, les abonnés. Ok, attendez, je vais juste regarder dans mon couloir, on sait jamais. Oh, la porte de placard qui vient de s'ouvrir. J'arrive, les abonnés. J'arrive. Oh là là là, les abonnés, ça se multiplie. Pour l'instant, pas de trace de la poupée de Squid Game. Attendez, je vais voir dans mon couloir. J'arrive. Les abonnés, ce n'est pas possible. Il se passe des choses paranormales chez moi. Je suis sûr qu'il n'y aura rien, encore une fois, dans ce placard. Mais vraiment, les signes, simplement du fait que Huggy Wuggy va arriver avec peut-être la poupée de Squid Game, se multiplient. Là, il y a de plus en plus de choses paranormales. Du coup, à mon avis, ils vont pas tarder à apparaître. Regardez la porte de placard, du coup, je suis sûr encore une nouvelle fois qu'il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien du tout, les abonnés. C'est vraiment très inquiétant. Je vais refermer cette nouvelle porte encore une fois à clé. C'est pas possible. Je ferme vraiment les placards à clé et pourtant ils arrivent à s'ouvrir. Vraiment, je suis très inquiet, les abonnés. Je vais retourner devant mon setup. Les abonnés, encore une fois, rien à signaler. Mais là, clairement, Huggy Wuggy nous met la pression. Là, clairement, Huggy Wuggy de Poppy Playtime nous met la pression. Il se passe de plus en plus de choses très inquiétante, que ce soit sur Minecraft ou dans la vraie vie dans mon appartement. Je sais pas trop quoi faire là, les abonnés, actuellement, je vous avoue, je sais pas trop ce qu'on va faire. Là, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de voir la poupée de Squid Game. Là, actuellement, on sait que Huggy Wuggy, il est pas loin, il est dans la presque dans la maison. C'est grâce à la poupée, d'ailleurs, la poupée elle a disparu. What, les traces de sang aussi. Waouh, il se passe vraiment des trucs bizarres. À moins que les traces de sang, c'est quelqu'un de vous qui les a retirées tout à l'heure, je sais pas. Non, c'est moi, j'ai enlevé. Ok, 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 ça marche, ça marche. Ok, les abonnés, nettoyer. On va continuer de regarder les caméras, les abonnés. Je regarde juste.
ça les belges pour me marier avec. En vrai, y a moyen que Huggy Wuggy soit pas loin, on puisse le voir. Oh, c'est ton frère. J'ai pas compris là ce qui se passe. On va switcher sur différentes caméras. On est dans la chambre de Jérôme. Rien à signaler dans la chambre de Jérôme. S'il manque du pitou, gare à toi, Diablo. T'inquiète, je me mets en mode nocturne. Ok. La faute à Léon. D'ailleurs, les abonnés, c'est vrai qu'effectivement, j'aurais pu utiliser le mode nocturne tout à l'heure quand j'étais sur des points de vue extérieurs. Moi, je peux mettre sur la même caméra. Regardez les abonnés, là, je suis à l'extérieur, je peux activer le mode nocturne, voilà, de la caméra, et je vois beaucoup mieux. Léon. Qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il manque du pistou? Waouh, y'a du pistou qui a disparu. Hardcore. Je sais que c'est toi, y'a une balance qui m'a dit que c'était toi. Non, mais ça se trouve, c'est pas Léo, ça se trouve, c'est Guigui. Calme-toi, ça se trouve, c'est Guigui. Quoi? C'est toi, Caris? Ouais, mais. Tout le monde. Je l'ai vidé pour les fourmis. Quoi? Pourquoi pour les fourmis? Pour les engraisser et après les manger. What the fuck? Désolé, gars, sur le minigun. Oh, stop, arrêtez de tirer là. On va checker du coup les autres caméras, les abonnés. On va continuer de checker les caméras en espérant trouver quelque chose. Ok. Rien à signaler. Je suis sur la caméra 6. On va continuer de checker. Ici, il n'y a pas grand chose. Regardez, il y a Ghostbuster. C'est énorme. Regardez juste ici. Attends, on va faire un petit zoom dessus. Regardez Ghostbuster. Je vais switch sur la caméra 6, les abonnés, puisqu'elle offre un bon champ de vision devant la maison. C'est là où on aurait pu voir tout à l'heure Huggy Wuggy plus tôt. Voir si comment il avait disparu, etc. Du coup, let's go. Les abonnés. Ok, c'est pas loin du tout. C'est juste là. Quoi? Mais c'est pas possible. Elle a déjà disparu. Il y avait la poupée de Squid Game. Je vous l'assure. Il y avait la poupée de Squid Game, je vous l'assure. Elle était juste là. Quoi? Elle est sur le toit? J'ai vu, j'étais sur le toit moi. Ok, attendez les abonnés, what, c'est quoi ce délire? Diablo, t'es qu'un mytho de toute façon. Non, mais je vous jure. Vu, moi aussi. Ouais, voilà, je vous jure qu'elle était là. Ok, les abonnés, je vais continuer de checker tout simplement dans la vraie vie ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il y a, Koba? Ah non, c'est pas toi, Koba, qui parle. C'est moi. Ouais, dis Koba. Qu'est-ce qu'il y a, Koba? C'est pas que je suis pas courageux, mais j'ai un énorme projet qui m'attend là, faut vite que j'aille dans ma grotte le terminer. T'es en train de flipper toi. Allez, casse-toi. T'es en train de flipper. Eh, lui parle pas comme ça toi. Parle pas comme ça, Koba. Je suis pas en train de flipper, j'ai vraiment un énorme truc, tu vas voir, ça va bientôt arriver, je te le montrerai, c'est vraiment énorme. Vas-y ça marche, bah vas-y, à plus, vas-y, alors à plus tard. Bon, tu me rappelles si t'as vraiment besoin de moi. Vas-y, les abonnés, du coup on va checker dans mon couloir. Je pourrais marier avec Juliette. Oui, mais ça fait 10 fois que tu me le dis, c'est bon, il est relou celui-là. Oui. Let's go. Oh, yes. Du coup, je vais checker la caméra de mon couloir. What, les abonnés, y'a ma tête de Diablo Fit 35 au milieu du couloir. Y a l'air d'avoir une fiche dessus. Les abonnés, j'arrive. C'est parti les abonnés, on va aller voir tout simplement la tête dans le couloir. Ça, c'est méga flippant. Ok, on a un message sur la tête. J'avais bien vu qu'il y avait une sorte de feuille sur la tête. Les abonnés, regardez-moi ça. Un message, j'arrive. C'est fait à la gouache rouge, hein. C'est pas du sang. Mais c'est quand même très effrayant. Et ça voudrait dire que un des deux, soit la poupée de Squid Game, soit Huggy Wuggy, s'est infiltré dans ma chambre. Puisque voilà, cette tête, elle est dans ma chambre. Vous le savez pour ceux qui regardent mes vidéos. La lumière, les abonnés. Il y a l'air d'avoir rien du tout, les abonnés. Je vais regarder vite fait derrière la porte, quand même, on sait jamais. Il y a rien du tout derrière la porte, les abonnés. J'ai pas l'impression que Guigui est encore là. Je suis désolé si je respire fort, c'est que je suis un petit peu stressé. Je vais remettre la tête, tout simplement à son endroit, là où elle était. Et je vais garder le message avec moi. Les abonnés, je suis de retour. Vous avez vu le papier, c'est écrit j'arrive. À la gouache rouge, c'était écrit j'arrive. Ça voudrait peut-être dire que la poupée de Squid Game arrive, les abonnés. Je sais pas trop ce qui se passe. En tout cas, c'est très 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 inquiétant. La poupée de Squid Game. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais tellement être à ta place, c'est trop drôle. Non, c'est absolument pas drôle en fait. Dans mon appart, genre, c'est ultra flippant, les abonnés. Ok, là, je sens que ça va se rapprocher. Je sens qu'on va pas tarder à voir des choses, les abonnés, dans mon appartement. Je vais checker vite fait mon escalier, voir s'il se passe quelque chose. Rien à signaler dans mon escalier, les abonnés. Je vais checker la caméra de les abonnés. Elle m'a dit qu'elle arrivait, hein. Je check la caméra, vous êtes prêts ou quoi, les abonnés? 3, 2, 1. J'ose pas regarder. 3, 2, 1. J'entends rien dans mon couloir. J'écoute. Attendez, j'écoute vite fait. J'entends rien. Je switch sur la caméra 2, les abonnés. Les abonnés! Elle est là dans mon couloir! Il faut que j'y aille! Les abonnés, il faut que je la voie en vrai. Wesh, elle est plus là. C'est pas possible, les abonnés. Pour l'instant, je ne vois rien de mes propres yeux. Eh les gars, c'est Diablo Gamer. On gagne quoi en assurance vie, nous? Et sa voiture? Son argent? J'espère vraiment que lors du prochain épisode, je pourrai voir des choses de mes propres yeux. On va retourner devant le setup, les abonnés. Pff, what the fuck, les abonnés, j'ai trop le seum. Les abonnés, elle était là, alors pas quand j'y suis allé. Comme d'hab, de toute façon, il se passe jamais rien quand je suis sur les lieux. Il se passe ça toujours, en fait, quand je suis pas là. C'est un truc de fou. Mais je suis persuadé qu'au fur et à mesure des épisodes, les abonnés...
petit à petit, on se rapproche du but. Un jour, vraiment, je vais voir ça de mes propres yeux. Vous allez voir, ça va être incroyable. J'ai en même temps hâte, mais en même temps, je suis mort de peur. Genre, je vous dis là, mon cœur, il bat à 2000 km/h. C'est hardcore. Je suis en stress total. Ça se passe. Attendez. Moi, je trouve ça drôle. Je suis parano, hein. J'ai l'impression qu'il se passe des trucs, genre dans le couloir à côté de. Bah, en même temps, il se passe des trucs en fait. Il se passe des trucs clairement. Ok les abonnés, pour l'instant dans Minecraft on les voit pas trop. Le moment où Huggy va apparaître, genre vraiment, ça va être très flippant les abonnés. Pour l'instant sur les caméras, on le voit à chaque fois sur les caméras, je sais pas. Je suis complètement stress les abonnés. Diabolo, j'ai une question. Oui, dis-moi qu'est-ce qu'il y a, Thiago. Si tu meurs, on gagne quoi? Bah super, si je meurs, j'espère que vous pleurez et que vous regretterez le fait que j'ai fait ça. Mais je vais pas mourir, qu'est-ce que tu racontes? Allez, Diabolo, n'importe quoi. Non, moi je prendrai ta tue, ouais, vous êtes hardcore, vous êtes giga hardcore. Bon, du coup, les abonnés, on va retourner dans ma chambre. On va retourner dans ma chambre, peut-être que ça va faire venir Huggy simplement de Poppy Playtime. Voilà, dans la maison, donc tout le monde dans ma chambre, c'est reparti les abonnés. On se retrouve dans ma chambre, let's go. Bon, du coup, les abonnés, on va en profiter pour check de nouveau les caméras. La 17-18, je suis là. Les abonnés, y'a Huggy qui est là. Y'a Huggy qui est là. Les abonnés, elle est dans la maison. Enfin, il est dans la maison. Ouah, je sais pas comment dire. Enfin, c'est une poupée, mais c'est un Huggy. On est mort, on est mort. Les abonnés. Ok, je sais pas où est-ce qu'il est. Ok. Je vais essayer de. Je vais essayer de. Il est là, il est là. Ok, je le vois. Les abonnés. Ok, oh là là, il arrive vers moi. Ok, attention Léo. J'essaie de descendre. Dans la chambre de Léo. Non, attends, je descends. Non, faut que je me mette à. T'as toujours là-bas. Faut que je me mette à l'abri pour essayer de checker les caméras de mon appartement dans les escaliers. Mais, comme okay, ça. Descends la salle des abonnés, les abonnés. Let's go. Comment je meurs. Je vais me mettre là. Ok. Mais les autres, c'est lui, tu peux les tuer. Okay, par contre, je suis vraiment dans la pénombre totale là, c'est un peu effrayant. Je me mets là, je vais checker la caméra du coup de mon escalier pour commencer. Ok. Huggy est là. Huggy. Huggy est dans mon escalier les abonnés. Oh là, je vais aller fermer ma porte et enlever la caméra. Les abonnés, je viens de retirer l'appareil photo. Là c'est beaucoup trop effrayant. On va fermer cette porte à clé. Les abonnés, je viens de retirer l'appareil photo et de fermer ma porte à clé. Ok, du coup Caris, que tu peux essayer de gérer Huggy? Bah tu sais même pas où il est. Ok, attendez les abonnés, c'est un petit peu chaud. Je vais checker vite fait simplement dans mon couloir maintenant. Je check dans le couloir les abonnés. Peut-être que Huggy est passé dans le couloir. J'espère qu'il a pas eu le temps de rentrer dans mon appartement. Ok, je suis dans mon couloir. C'est la porte de ma chambre qui s'ouvre. Les abonnés, on va vérifier, mais je suis sûr qu'encore une fois, il n'y aura rien. Let's go, on ouvre. Et encore une nouvelle fois, il n'y a absolument rien, les abonnés. Les abonnés, je suis de retour. Encore une fois, rien à signaler dans le couloir. Du coup, je vais juste. Alors, what? Les abonnés. Vous êtes où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est blessé? Oui, ma tata. On a deux morts ici. Quoi? Mais non. Non, y a pas. Ah oui, c'est faux. Ok. Faites-le fuir. Mettez-lui dessus. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Caris? Vas-y, trop mal. Il faut que j'arrive à sortir d'ici. Ah, tu vois plus rien, c'est quoi? Mais oui, il y a Huggy qui est là. Ok. Ah, il est dans la chambre d'Angelo. Faut que j'arrive à monter les abonnés. Bon, les abonnés, je sais pas comment ce que. Oh, les abonnés, Huggy est plus là. What, pourquoi tous les abonnés sont regroupés ici? Enfin, les abonnés de. Du coup, c'est les abonnés d'or, ceux qui ont souscrit un abonnement payant or. Voilà, où ils ont leur petite pièce dans notre. Dans notre monde, dans notre villa. Ok, c'est bon, tout le monde est où? Ok. Y'a Thiago. Ok, le temps question est là. Koba est là. Tom est là. Caris, t'es où? Sur l'entrée. Ok. Vous êtes bon. Tout le monde est là. Il manque qui? Il faut qu'on. Et là. Thiago, je vais aller voir. Non, je suis là, j'arrive. Ok, donc tout le monde. Le compte est bon là? Le compte est bon? Ok, y'a même Koba qui est retour. Ok. Bon, du coup, les abonnés. Je pense qu'on va stopper là. Puisqu'il va commencer à faire jour d'ici pas longtemps. A mon avis, voilà, ça va. Là, vraiment, les abonnés. Voilà, il reste. Regardez, la lune, elle descend là. Et après, il va commencer à faire jour. Je pense qu'il va rien se passer. Bah, tout simplement encore. Là, regardez les faits paranormaux commencent à baisser. Là, c'était juste une ouverture de porte alors que je les ai clairement vus apparaître. Du coup, je commence à connaître. Là, pour moi, il va plus se passer grand chose. Juste les abonnés, un maximum de pouces bleus à 10 000 pouces bleus sur cette vidéo. Et bien, je fais tout pour que le prochain épisode il se passe des faits paranormaux sous mes yeux. Mais, genre, quand je parle de sous mes yeux, c'est sous mes yeux réels. Genre, ces deux yeux là, tu vois. Genre, vraiment, je fais tout pour qu'il se passe des choses. Genre, que je les vois de mes propres yeux, tu vois. Que je les vois avec vous quand je filme avec mon iPhone. Ça pourrait être vraiment incroyable, les abonnés. Du coup, voilà.
je vais tout faire dans le prochain épisode. S'il y a 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, donc voilà, les prochains épisodes, je pense que de ce type sortira samedi. Donc voilà, je ferai tout pour. En tout cas, un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Il y avait DK, Invisible Man, Soka, Zigoto, Direct Play, Yurina, DP et Spartax. Voilà, toutes leurs chaînes seront en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce concept vous plaît toujours autant, car moi, vraiment, je le trouve incroyable. Du coup, j'espère que voilà, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère pour un nouvel épisode comme ça. Vas-y, c'est bon, j'ai déjà donné le défi de like, t'inquiète pas. Allez, bye tout le monde, les potos, je vous aime et à très très vite.